au bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. L'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu de la journée. Enfin, c'est plus de la soirée parce que je la tourne vraiment en retard. Là, je m'en passe, c'est vraiment la première fois que j'ai du retard et je vous prie de m'excuser. L'équipe, pour cette vidéo, on va parler de deux actualités. Il y a Kery James et Sofiane qui ont réagi par rapport à ce qui s'est passé avec le producteur. Pour la deuxième actu, on va parler de Caris et puis du projet Sevran, puisqu'au final, de ce que je viens d'entendre, il sera pas du tout dans le projet. Alors qu'il y a quelques jours, Kalash Criminel, en interview, il a bien confirmé que Caris, il sera bien sur le projet Sevran. Beaucoup de gens sur les réseaux vont reprocher qu'il manquait Caris. Ouais, mais il sera là. Il sera là finalement? Bah ouais. Là, l'équipe, il y a des messages qui ont été publiés par Kunta Kinte et c'est des messages entre Caris et Kunta Kinte justement. Bref, je vais tout vous parler dans cette vidéo. C'est pour ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on commence l'actu tout de suite. Et au passage, j'ai sorti un son de Bip Bip, c'est mon pote, tu vois, il a sorti un petit son sur ma chaîne. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est la vidéo juste avant. L'équipe, juste avant de commencer, je tenais à préciser que je suis malade. Donc si jamais j'ai une voix chelou ou un truc comme ça, c'est normal. Bref. On va commencer cette première actu en parlant justement du producteur qui s'est fait agresser par 3 policiers. Enfin, excusez-moi, c'était pas 3 policiers, c'était 4 policiers. Et ensuite, il s'est carrément fait agresser par tout le groupe. Là, l'équipe, j'ai pu voir que Kery James et Fianso, ils avaient réagi par rapport à ça. Et ils ont laissé justement des messages sur leurs réseaux sociaux. Et ils ont écrit. Kery James, il a mis. C'est pour que certains policiers puissent faire ça qu'il est si important qu'ils ne soient pas filmés dans l'exercice de leurs fonctions. Point d'interrogation. Je connais personnellement l'homme qui a subi cette agression. Un homme courtois, posé et heureusement pour lui, expérimenté. Car il ne serait peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Alors d'abord les arabes, les noirs, les migrants, puis les gilets jaunes. Et enfin toute personne qui ne marchera pas au pas. Et sur le coup je vous mens pas, quand j'essayais d'appuyer sur afficher la suite, ça s'affichait pas en fait. Il a fait justement un petit délire. En gros la démocrate, et quand tu cliques sur afficher la suite, ça s'affiche pas. Et ça veut tout dire, bref. Toute l'équipe, il y a Fianso qui a mis ça sur Twitter et il a écrit force mon frère Michel Mazava. Et il l'a identifié. Juste après sur Instagram il a mis ce long message et il a écrit: celui à qui est arrivé le drame est mon ami. Je le considère comme un frère. On diffuse, on partage au maximum. Force et courage. Et il l'a identifié. Je connais cet homme. Il est droit et juste. Quant à ceux qui reconnaîtront dans cette vidéo, j'ai honte pour vous. En gros, là, les personnes justement qui seraient d'accord avec le geste des policiers, vraiment, sur le coup, même moi, je suis d'accord avec Fianso, c'est des gros fils de pute, les personnes-là. Voilà l'équipe, et pour la deuxième petite actu de la soirée, on va parler de Caris justement et de Kunta Kinte par rapport au projet Sevran, etc. En gros, il y a Kunta Kinte qui a publié justement la conversation qu'il a pu avoir avec Caris en privé. Et il lui a posé la question, est-ce qu'il sera sur la mixtape de Sevran? En gros, il lui a dit, appris que tu seras finalement sur la mixtape, est-ce que c'est vrai? Bah Caris, comme tu peux le voir, il lui a répondu, pas au courant, avec des mains qui, tu sais, genre en gros, il est pas au courant. Et juste en dessous, Kunta Kinte lui a répondu, je me disais bien que c'était que du pipeau. Comme tu peux le voir, Caris, il a répondu, j'ai découvert ça hier en rentrant du tournage que je faisais à Marseille. Voilà l'équipe. Après, est-ce qu'il joue justement sur le fait, tu sais, laisser le suspense et en gros, il sera vraiment sur le projet? Je sais pas. Et vu les messages et Kunta Kinte, généralement, tu vois, c'est des messages qui sont plausibles. C'est pas une fausse conversation, etc. Tu vois, j'ai vraiment confiance en Kunta Kinte. Caris, c'est le premier vrai rappeur de Sevran qui a eu un vrai succès commercial. C'est parce que beaucoup de gens sur les réseaux vont reprocher qu'il manquait Caris. Ouais, mais il sera là. Il sera là finalement? Bah ouais. Ça va, moi j'aime bien, vous êtes fiable et tout. Vous communiquez des vraies infos, pas des trucs bizarres comme. Équipe, et je viens de tomber sur une petite actu de dernière minute. J'ai pu voir que le rappeur Kobalade a été condamné aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille, après lequel il avait pris la fuite. T'ont appris auprès du parquet de Marseille. Équipe, au final, j'avais plusieurs petites actus de dernière minute. Pour clôturer cette vidéo, on va parler de SCH. Il a répondu à un mec qui a fait une caricature de lui et il a écrit: je quitte les études de droit pour me lancer dans le dessin et en vivre. Premier portrait de SCH dans un style réaliste. RT plus avis. Et comme tu peux le voir, SCH, il a RT avec un commentaire et il lui a dit: mon gâté, reprends le droit, assure. En gros, il lui a dit: reprends les cours, quoi. Ne quitte pas tes cours, c'est mieux. Avec un cœur. C'est pas méchant. Voilà l'équipe, c'était tout pour cette petite vidéo actuelle. Ah là là, donc voilà l'équipe, je m'en pas vu que j'avais un petit peu de retard, j'ai pas pu vous parler de d'autres actualités, mais il y a une grosse vidéo actuelle qui est prévue encore une fois demain. Ne vous inquiétez pas, dans celle de demain, elle va être pimentée et je me ferai pardonner. Voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 1, 2, un 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Passage l'équipe, pour les personnes justement qui ont aimé le son que j'ai fait, ben, au tout début de ma chaîne, c'est mon intro, en fait j'ai fait un son avec Bip Bip. Et en fait Bip Bip là il a fait un nouveau son que j'ai publié sur ma chaîne il y a quelques heures. Moi pas, je me suis cassé le cul à faire un clip justement avec tous les films que je kiffais dans mon enfance. Des films de cité, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est la vidéo avant. Bref, sinon il y a un rappeur qui est prévu en fin de vidéo, puis je te dis à soir pour une belle croissante, une vidéo et une nouvelle. Puis j'arrête de te casser les couilles. Puis demain la vidéo actuelle elle sera vraiment croustillante. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. Dans un délire. L'impression que les jours se répètent. On y démise. Et qu'il tourne la mort fait son enquête. J'suis dans un délire. J'suis dans un délire.
On est quatre dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapuleux comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer les actifs. On va enfumer toute ta ville. En général, je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Vis gros, vis ta vie, un jour ou l'autre, elle va partir. Un petit coup de képri et là, je ressens que c'est parti. La mumu qui te colle dans tes coups, t'as plus que mille. Elle fait la timide sur son bouche, je le mets des gifs. Alex, je te parle d'un truc. Du truc.